Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Je suis en charge de la promotion de la race blonde d'Aquitaine dans le département. Et on se retrouve aujourd'hui à Bayonne, à l'Université des Métiers, pour vous proposer 4 recettes pour valoriser cette viande de la blonde d'Aquitaine. Donc moi je suis Astrid Monteau, donc à la Chambre de métier des Pyrénées-Atlantiques, et je suis là aussi pour promouvoir donc, le développement de la Cité du goût et des saveurs que nous développons à la Chambre de métier pour proposer des cours de cuisine grand public pour les professionnels et promouvoir les produits du terroir. Donc peut-être qu'Aurélie peut nous parler un peu plus de la race blonde d'Aquitaine. Alors la race blonde d'Aquitaine, donc en fait c'est la race majoritaire dans le département. À peu près 97% du cheptel bovin viande et de race blonde d'Aquitaine dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la troisième race de France et un cinquième environ du cheptel français se trouve dans le département. Tous les ans en août à Sauveterre de Béarn, il y a la fête de la blonde qui est organisée. Et cette année, on a décidé de bousculer nos habitudes et de faire des vidéos avec donc l'association Blonde Berceau de Race 64 qui la valorise et le Comice Agricole. Donc on a créé ce partenariat avec la Cité du Goût et des Saveurs. Bonjour, je m'appelle Eric Ibarlosa, donc je suis formateur à l'Université des Métiers de Bayonne, à Moucherie. Voilà, donc tu nous as amené un morceau de viande. Oui, c'est ça. Vous m'avez demandé un morceau de tranche grasse. Donc j'ai choisi un morceau de lamelle rouge de race blonde d'Aquitaine. Donc c'est un morceau qui faisait 9 kg et je vois que tu l'as découpé déjà en 3 parties, en 3 morceaux. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ouais. Et qu'est-ce qu'on va en faire? D'accord, donc en fait c'est un morceau donc, qui se trouve dans la cuisse de bœuf et donc qui est composé de 3 morceaux, le rond, le plat, le mouvant. Et donc comme dans tous les morceaux à usage de boucherie traditionnelle, nous, il a fallu éplucher, enfin d'abord dénerver et éplucher tous les morceaux pour qu'ils soient propres pour pouvoir faire des steaks, des brochettes ou des différentes recettes que nous allons effectuer après. Et du coup, donc avec ces 3 morceaux, qu'est-ce qu'on va préparer? Et donc, alors, en fait, comme j'ai dit, c'est des morceaux qui sont entièrement épluchés et dénervés ben, normalement par l'artisan boucher dans les boucheries artisanales traditionnelles. Donc en fait, ce sont des morceaux, nous avons des morceaux qui sont très tendres et des morceaux qui sont un petit peu moins tendres. Donc nous allons prendre des morceaux très tendres pour pouvoir effectuer les brochettes et les émincer. Et nous allons prendre des morceaux un petit peu moins tendres que nous allons utiliser pour le carpaccio et pour le tartare. Okay. Du coup, pour faire un carpaccio, qu'est-ce que tu me recommandes de commander en boucherie? Alors pour faire le carpaccio, c'est sûr qu'il faut un morceau qui se tienne davantage parce qu'il faut le couper très très fin. Puisque le carpaccio ne se cuit pas, en fait, on va plutôt prendre le milieu du rond ici, le TG, puisque la tranche grasse, on appelle ça la TG dans le métier. Donc en fait, on pourra prendre ici du rond de TG pour faire le carpaccio. D'accord, donc je demande du rond de gîte. Du rond de tranche grasse. D'accord. Le rond de gîte, c'est un bon sens. D'accord. Okay. Et ensuite, pour faire les brochettes, là, alors pour faire les brochettes. Voilà, donc après c'est même pour le carpaccio, c'est un morceau tendre. Disons que pour faire les brochettes, il faut vraiment des morceaux tendres qui puissent se couper de manière égale. Donc on va prendre ici peut-être le restant du rond, on peut prendre le plat et on peut prendre aussi un petit bout ici du mouvant. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Il n'y a que ce morceau-là du mouvant qu'on ne pourra pas prendre parce qu'il est plus dur. D'accord. En fait, on l'utilisera pour faire le tartare. Donc le tartare, c'est plutôt... Ouais, voilà, c'est des morceaux qu'il va falloir les couper tout petit. C'est des morceaux qui n'ont pas besoin d'être aussi tendres. Donc, si je veux faire un émincé de bœuf à faire mariner, qu'est-ce que je prends? Mais voilà, alors on peut choisir dans les 3 morceaux, mais c'est vrai que pour faire un émincé, c'est vrai que cette partie-là du mouvant va être plus facile à couper dans le sens des fibres. Et comme pour les émincés, il va falloir émincer le morceau, donc ça sera plus facile. D'accord.